avec Justin Mandimon qui vient de rapporter une victoire sur Polo. Isaac. Bon, El Pollo. Qu'est-ce que tu dis d'un gars qui a un surnom comme poulet? Bah, c'est du poulet dur. C'est vraiment un poulet dur, là, pas le grand poulet. C'était solide, tiens. C'est comme t'as pu voir toi-même, tu peux te faire qu'est-ce que t'as à faire pour l'envoyer au tapis encore à la tête. Il est resté là, mais je lève mon chapeau. C'était ton deuxième combat au Centre Bell, je crois, oui? Oui, c'était. J'ai attendu longtemps aujourd'hui, c'est pas comme la première fois, je passais le premier là, j'ai attendu jusqu'à Jordan qu'il y a eu un coup de tête. Heureusement pour moi, mais pas pour lui peut-être, mais je vais passer avant Antoine, mais qu'est-ce qu'on. C'était long, j'étais en dessus, mais j'ai gardé mon calme et j'ai fait, je peux dire, 70% de ce que je voulais, mais je suis satisfait quand même. J'aurais voulu l'arrêter, mais comme que j'étais sûr, je peux dire qu'est-ce que je voulais l'arrêter. J'ai resté là, avec, et comme j'ai dit, j'ai levé mon chapeau à lui et j'ai dit qu'il y avait très bon. Lui, 70%, qu'est-ce qui faisait que tu étais pas mal à ton maximum? Bon, rien vraiment particulier. À 100%, ça aurait été que je l'envoie au tapis. Que je l'arrête, fait que tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire pour bien paraître. Ça fait que j'ai la note de passage un peu plus. Tu te sentais plus à l'aise à ta deuxième présence au Centre Bell? Bien sûr, mon premier combat, c'est un gars différent aussi. Je l'ai vu, les gars, il était, je l'ai vu plusieurs fois boxer contre Kevin Lavalès dans la dernière semaine. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de défauts dans sa technique. Je pouvais capitaliser là-dessus. Alors que mon dernier gars, il était très bon techniquement. Il s'est peut-être passé KO juste une fois, je pense, dans sa carrière. Mais il savait comment se protéger mieux. Il y avait une meilleure technique qui vient de la France. On sait jusqu'au Mexique, c'est pas vraiment la technique qui compte pour eux. C'est plus les guerriers. C'est ça qui a montré Isaac que j'ai ramené. Il était plus guerrier que mon dernier combat, mon combattant. Mais les derniers avaient plus de techniques. C'est que j'ai eu beaucoup plus de misère à m'adapter à son style. Alors que Isaac, c'est plus facile. Dès le début, je peux voir les erreurs qu'il faisait, capitaliser dessus en partant. C'est pour ça que je t'ai dit que j'aurais aimé l'arrêter parce que je voyais les erreurs qu'il faisait et je voulais vraiment capitaliser dessus. Comme je suis en mon troisième combat, ben, j'apprends toujours. Je continue à apprendre, je continue à évoluer. Le fait que tu étais assidulé pour être un swing bout, donc tu sais pas à quelle heure tu commences, comment ça affecte ta préparation? Bah, en tant que c'est sûr que ça affecte un peu, mais j'ai un bon point, j'ai Mike Moffat avec moi, Pietro Napolitano, j'ai Luc Vincent, c'est tout le monde qui a beaucoup d'expérience, ils m'ont gardé relax, on a été comme en famille, comme on est, team de boxe, on est tous comme une famille, et moi j'étais comme juste dans mon salon, et tout le monde blaguait de gauche à droite, et je suis passé vraiment plus vraiment au fait qu'ils avaient un combat, j'étais quand même hâte, mais d'être en finir, parce que je voyais les autres passer, boxer, et là j'ai hâte aussi, puis aller voir la foule, aller voir les autres, je venais voir boxer. Il y a ça aussi, mais en tant que tel, j'ai une bonne équipe là, j'en suis fier, puis j'aimerais ça pour les remercier tous, Mike Moffat, Luc Vincent, Pietro Napolitano, mon manager Camille Stéphane, je suis très sec quoi, il me sert, il faisait des choses, c'est vraiment le fun. Le fait que tu étais sur une barre, ça fait dire que quoi, est-ce que tu portes tes gants plus longtemps avant parce que t'es arrivé focalisé pour? Ouais, je commençais à avoir mal. Il y avait même un gars de la régie qui nous a dit, il est pour lever les gars. Il y a 20 minutes avant mon combat, il dit ça, il pense que Mike, il a dit non, on va attendre parce que sinon il y aurait fallu que je le remette. Peut-être que je n'avais pas pu boxer. Fait que tout a marché pour le mieux, j'ai boxé, c'est pour ça que j'étais ici, pour donner un bon spectacle. Et je pense que 70% c'est quand même une bonne note. Le monde a l'air d'avoir aimé, c'est ça qui compte le plus. Félicitations, puis on souhaite bonne chance pour deux autres combats. Ouais, merci beaucoup, puis merci à tous les membres. Web Express, Web Press, à la prochaine, je vais être encore meilleur à la prochaine.